Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Ah là là. Bon, pourquoi j'ai envoyé cette soeur en Occident? Merci beaucoup, merci. Merci mes personnes, merci pour tous les cœurs. Manuel Chanel T, la première personne connectée avec Kelsey Hodge. Comment allez-vous? Mamoudou l'intouchable. Bon, merci, merci. Orline Esso, comment vous allez? Oh, c'est gentil. Clémence Allah, merci. Hey, la mère, comment tu vas? Hey, la mère, la mère. La mère a eu son permis. Oh, la mère a eu son permis. En tout cas, félicitations, la mère. Tu es une battante. Tu es une battante. Elle est femme qui arrive au Canada ici, elle traîne avec ça. Il t'a dit ça là. C'est comme ton premier diplôme. J'ai vu comment il fait froid, non? Eh, hey, Laurie, Josepha, merci. Doura Diallo, comment allez-vous? Oh, mes personnes. Oui, la deuxième perruque préférée, c'est ça. Je vais mettre le lien même de la perruque. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ouais, la perruque. La deuxième perruque. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci beaucoup, c'est gentil. Partagez le direct. Partagez. C'est une histoire qui fait un peu pitié, mais on peut tous passer par là. Ça peut nous arriver, oui. Tu envoies quelqu'un en Occident et puis vous ne vous comprenez pas. C'est ta soeur, même père, même mère. Tu l'envoies et puis vous ne vous comprenez pas. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Même père, même là. Chez nous, là, nous-mêmes, là, les uns de l'Ouest, là, nous, on considère même père, même là. Moi-même, là, la façon dont j'aime mes frères de même père, là, eux-mêmes, ils savent ça. Hey, moi, si tu me voyais mes frères, là, tu as dit qu'on vient du même ventre. Un coup KO. Et puis un coup KO, hein, la mère a eu le permis, un coup KO. Ça, là, c'est pas donné à tout le monde. J'ai dit qu'il y a des moniteurs d'auto-école qui ont échoué dans le permis ici. La mère a eu ça, un coup KO. Des cœurs pour la mère. Donnez des cœurs. La mère, là, c'est ma personne. Je l'ai coachée depuis où elle était là. Quand elle est arrivée au Canada, elle a écouté les conseils. Ça va chez elle. Oh, avant tout, je voudrais vous dire merci. Merci pour tout. Ma petite soeur, j'ai reçu ta commission que tu as fait à ma nièce. Il n'y a pas de problème. Oh. J'ai dit, pour voir ce qui se passe dans le village là, il faut que tu aies des connexions pour savoir ce qui se passe là-bas. Mais tu n'as pas de connexion. Toi-même, tu ne vas même pas dans le village. Donc, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ton problème. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. J'ai dit, où on est arrivé là? On est sur une autre dimension. Ma personne, j'ai reçu ton message, ma doudoune, comme je t'appelle. J'ai reçu ton message. C'est une, on est dans une autre gamme maintenant. Les affaires de haine, injures, tout ça. On a fini avec ça. Il a dit que je ne suis plus personne. Ton direct d'aujourd'hui m'a trop fait rire. Elle dit, j'ai un lit trois places. Non, Aya, tu as fini avec ça. J'ai ri jusqu'à, j'ai dit, mais lit trois places là. La précision, c'est pourquoi. Sinon, j'ai reçu tous vos messages. Laissez faire, on passe à autre chose. Mes impactés, merci. Oh, j'ai déjà allé là, hein. J'ai déjà, mais moi, mais c'est que j'ai déjà. Il dit que le roi est sorti quand il avait dit, chier, changement. Toi, que j'ai laissé un cheveu s'emballe, tout de suite, je suis sorti, je suis venu à te voir. Hé, les femmes, vous savez blaguer les gens. Il dit, mais c'est ça. Ah, c'est ça, hein. Ah, la go, vraiment. Causerie du vendredi soir. Causerie du vendredi soir. Oh, ma nièce même est calée sur le direct. Je vous aime, mes impactés, vous tous. Vous savez que je ne peux pas citer tout le monde qui est là. Là. Je ne peux pas vous citer, mais je vous aime. Merci beaucoup, merci. Vraiment, là où vous m'avez mis, là, c'est là que je reste. De ça, hein. S'il y a les buzz là, ce qui m'intéresse dedans, j'ai gainé dessus et puis je passe à autre chose. On a fini hein, le sujet qui était là. On est passé à autre chose. Mais il faut dire que la petite aussi, tu es puissante. Hein. Hein, le sujet était là, ça dormait sur la toile comme ça. Tout de suite, tu es venu, tu as parlé de ça. Hi, le sujet a pris. J'ai dit que tu as du potentiel. Eh, hey, la haine n'est pas bien. Déjà, cette petite soeur, elle avait du bon en elle. Mais elle a un bon fond. J'ai tellement j'ai la haine contre la petite fille. Là, je ne voyais pas son bon côté. Voilà ça. Aujourd'hui, on va le mettre les cœurs pour ma petite soeur. Ma petite soeur, elle a mis lui les cœurs. Mettez les cœurs. Elle a un bon fond. Faut pas t'inquiéter, j'ai dit que mon père Zozo Z, si on veut encore venir le déterrer. Maourou, c'est fini.
Eh, hey, le roi dit que quand que le roi est rentré, il dit, ah, chérie. Mais ce matin, il a laissé tes sous, il va chercher les sacs poubelles. Il dit, ah, c'est moi. Et en ce moment, je faisais le ménage, je faisais les petits trucs. Maintenant, il me suis arrangé, tu as vu me trouver, c'est ça qui est là. Il dit, ou bien, tu as un direct. J'ai dit, oui, oui, j'ai un direct aujourd'hui, c'est vendredi soir. Oh, merci beaucoup. Moi aussi, je vous adore. Bon, mes impactés, vous savez que je n'ai pas fait les causeries du vendredi soir depuis autrefois. Il y a plein de messages, mais dedans, là, je trie les messages du vendredi soir. C'est ce qui va nous faire rire, mais dans la vérité, on va rire. Oui, parce qu'il y a des trucs souvent où on va jaser, mais il y a des choses aussi où on peut rire en se disant la vérité. J'ai reçu plusieurs messages dedans. Il y a pour une soeur qui m'a marqué. Ça m'a marqué, je vais lire ça. Vous savez que quand on atteint 40 ans, ça nous prend les petites lunettes façon là. Donc, vous m'écoutez. Bonsoir, notre impacteuse. Je t'écris depuis la Suisse où je vis avec ma soeur que j'ai envoyée depuis 7 ans. J'avais le choix entre ma fille qui était encore mineure et ma soeur. Mais j'ai choisi ma soeur parce que déjà, depuis le pays, on s'entendait très bien. Le problème, c'est que j'ai tellement souffert pour envoyer cette sœur dont je suis l'aînée de 8 frères et sœurs. Ça veut dire qu'elle, là, dans sa famille, elle est l'aînée de 8 frères et sœurs. Donc, sa sœur, là, est la troisième de leur famille. Je l'ai envoyée pour qu'elle m'aide avec le reste de la famille. Mais depuis que je l'ai aidée à avoir les papiers et le reste, elle a fermé sur toute la famille. Et je suis toujours seule avec la famille. Je l'avais envoyée pour qu'ensemble, on puisse aider cette famille-là, puisque nous sommes d'une famille pauvre. L'impacteuse, je veux te parler. J'aime ton franc-parler, j'aime ton humour. J'aime quand aussi tu dégames tout et tout. J'aime tout en toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Noli, depuis la Lausanne. Lausanne, c'est en Suisse, mes amis. Voici la souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit, partagez le direct, nous partagez. Parce que ce problème qu'elle a, je lui ai dit que les choses où on parle et puis on prend une partie pour faire les vidéos là. Non, non, non. Est-ce que tu causes à ta soeur? Elle dit oui, je cause à ma soeur. Que ma soeur même te suit. C'est ma soeur qui m'a envoyé une de tes vidéos un jour. J'ai dit ah bon, mais fais un effort, tu vas me mettre en contact avec ta soeur. Effectivement, elle m'a mis en contact avec sa soeur. J'ai parlé avec la petite soeur, tout et tout. Il n'y avait pas grand chose à dire. Ouais. C'est qu'elle a su, elle a reconnu ce que j'ai dit. Quand tu es arrivée, est-ce que ta soeur, elle t'avait mal reçu? Elle a dit non, l'impacteuse, elle m'a pas mal reçu, tout et tout. Mes amis, vous connaissez son problème? Elle est partie au pays. Nous, les femmes, c'est toujours affaire d'amour, là. Elle est partie au pays pour marier quelqu'un là-bas. Quand elle a eu les baisses, tout et tout. J'ai dit, mais tu es arrivée en Suisse. Ta soeur s'est battue. Vous êtes d'une famille pauvre. Toi-même, tu sais. Tu sais que ici, quand tu es en Occident et puis tu es seule, la souffrance de ça, moi j'ai connu ça, c'est pour ça parmi tous les sujets que j'ai reçus là, j'ai dit je vais choisir ça pour les causeries du vendredi. Mes amis, j'ai dit que quand tu es seul en Occident, quelqu'un a éternué dans la famille là-bas, c'est toi on appelle. La maman a mal à la tête, c'est toi on appelle. Oncle Zoku se sent pas bien, c'est toi on appelle. Ça dit que tous les problèmes là-bas, là, c'est toi qu'on appelle. Donc, si tu regardes ça jusqu'à, tu te dis, ah, je vais me battre. Surtout qu'elle avait le choix entre faire venir sa fille qui était mineure. Dieu merci, sa fille a fini par rentrer en Suisse. Aujourd'hui, c'est sa sœur-là qui lui fait des problèmes. Bon, elles n'ont pas eu de chicane en tant que telle. Mais le monsieur qu'elle a marié en Côte d'Ivoire, et puis elle a fait rentrer là. Ah, nous les femmes là, quand on est en amour là, tu écoutes ton mari, non? Donc, le mari là, il a fait maintenant, elle a fermé sur la famille. Elle a dit l'impacteuse. Moi, je n'ai pas dit, mettez le cœur sur le direct et puis partagez-le. Causerie du vendredi soir, vous me regardez, parlez. On n'a qu'à interagir ensemble. On cause mes impactés. Ce sujet-là, si tu vis en Occident, ça peut t'arriver. Je vais vous donner plein d'exemples, des exemples authentiques. Je vais vous donner ça ici. Donc, partagez le direct. Vous comprenez, le monsieur, elle a marié là, ah, c'est son mari, elle aime son mari. Surtout qu'ils ont eu un enfant. Donc, c'est ce mari-là qui dit non, ils n'ont qu'à se construire tout et tout. Oui, hein,
On n'a qu'à se construire, oui, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, mais l'impacteuse, elle trouve que je ne m'occupe pas de la famille, mais moi aussi, mon mari veut qu'on se réalise. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi-même, j'ai dit qu'on n'a qu'à privilégier nos enfants. Mais ma chérie, tu n'es pas venue en Occident de toi-même. Toi-même, tu n'as pas payé ton transport pour venir. C'est ta soeur qui a souffert comme ça, dans le froid, dans quoi. Vous comprenez? Même si quelqu'un est constipé, si quelqu'un n'est pas allé aux toilettes, s'il lui faut des purigeois là pour se purger, ils vont le laisser là-bas. C'est toi, on va appeler ici en Occident. Mais ma chérie, oui, hein, il faut t'occuper de ton foyer, de tes enfants, faire les épargnes des enfants, comme je donne les conseils toujours là. Mais ce n'est pas toi-même qui a payé ton transport pour venir. Il y a ta soeur aussi qui a investi, qui était dans le froid, qui a fait tout sort de Jossi, jusqu'à... Ça dit qu'elle n'avait pas pris la route de l'école. Elle avait le choix entre sa fille et toi, et puis être envoyée. Donc, elle n'a pas fait le mal. Ta soeur n'a pas dit qu'il faut lui donner l'argent pour toi-même, tu comprends? Hein? Elle n'a pas dit qu'elle veut l'argent pour toi-même, mais elle dit que aide-la au moins. Et puis, le problème, c'est que père et mère vivent. Ça dit que vos deux parents vivent. Plus les sept mangeurs qui sont, ça dit qu'ils étaient comme ils étaient huit là-bas. Les six qui sont restés là-bas, là, il y a la charge qui est là-bas. Mais quand on envoie une soeur aussi, ou bien un frère là, c'est pour que tu vas m'aider un peu. Là où moi seul, je ne peux pas tout faire là. C'est pour que tu viennes ensemble. On dit, comme on dit, les deux mains se lavent. Ce n'est pas pour ça qu'on envoie sa soeur. Je ne t'envoie pas pour faire, pour avoir le contrôle sur ta vie. Je ne t'envoie pas pour guider ta vie. Vous comprenez? Mais quand on envoie une soeur ou un frère là, c'est pour que tu m'aides aussi à ceux qui sont en bas. Puisque avant que tu ne viennes là, j'ai souffert. Je m'occupais de vous tous là-bas. Donc, c'est pour aider. Donc, on ne peut pas vous envoyer, on ne peut pas envoyer un frère ou une soeur, et puis tout de suite, là, tu vas fermer sur le... Mais pourquoi tu as fermé? Quand tu fermes comme ça, là, mais il y a d'autres familles, là, comme la famille de mon beau, de mes beaux-parents, là, à l'époque, là, on t'envoyait, hein? Oui, hein? On t'envoyait, mais débrouille-toi. Comment on t'envoie? Comment j'ai fait? Et puis, tu es venu, là, débrouille-toi au moins pour tirer, hein? Il y a des familles où on fait comme ça, faut tirer. Mais elle t'a pas dit de tirer, elle a dit, aide-moi. Moi au moins, pour qu'on puisse faire venir pour qu'on soit au moins trois. Mes amis, quand vous êtes au moins deux ou trois en Occident, c'est doux, hein. Il a fait l'expérience de ça. Vous comprenez? Moi-même, je vis ça. Aussi, tu as ta soeur en Occident, tu as ton frère, même si tu ne, ça dit que même si vous ne vous voyez pas chaque jour, juste le fait de savoir que il y a le sang de ton sang en Occident, c'est très intéressant. Moi, je vous ai dit que le plus gros regret de ma vie, où je suis assise là, là, le plus gros regret, c'est que je ne peux pas faire venir tout mon village au Canada. Je vous ai déjà dit ça. Donc, comment on va te faire venir? Et puis, tout de suite, oui, tu as marié le monsieur. Mais quand tu maries le monsieur, là, c'est toi qui es parti le marier là-bas. Donc, lui, déjà, là, tu dois mettre tes règles pour dire, ah, oui, c'est vrai, hein, je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Mais moi aussi, j'ai des charges, je dois au moins aider un membre de ma famille pour que la personne vienne ici. On ne peut pas te faire venir et puis... Ça dit que ça a devenu Missy Poco. Missy Poco chez nous, on dit c'est le noir. On t'a fait venir, ça devient le noir. C'est comme le robinet fermé. Aucune grouillance pour faire venir au moins un ou bien pour aider ceux qui sont au pays là-bas. Je ne peux pas te faire venir et puis c'est toujours moi encore qui vais encore prendre la charge de toute la famille. Tu abandonnes père et mère parce que tu es dans le foyer. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Ce n'est pas ce qu'on a dit. Voici pourquoi le message de cette soeur-là, j'ai dit que c'est un message qui peut toucher tout le monde. Oh, ma chérie, ça a été la surprise. Grâce divine, toi, tu as parlé des Djoula, j'arrive avec ça. J'étais surprise jusqu'à, j'ai dit, hé, hey, dans la vie-là, quand quelque chose n'était pas arrivé, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. J'ai dit, ma chérie, tu dis, tu es de quelle ethnie? Elle me dit son ethnie, voici mon nom. Noli, là, c'est un surnom qu'elle a mis comme ça. J'ai dit, quoi? La fille est Koyaka. J'ai dit, tu me parles de quoi là? Les filles, ça dit que c'est une fille Koyaka qui se comporte comme ça. J'ai dit, mais toi, on dit que chez vous là-bas, là, il y a la solidarité familiale. Chez vous là-bas, là, vous êtes tissé serré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis toi, une fille Koyaka, tu arrives, tu abandonnes toute la famille, tu vis avec le mari. Vraiment la souffrance de ça. C'est dur d'être seul. J'ai vécu ça durant des années, sur des années, dans la maladie, dans la souffrance, tout et tout. Mais quand ma soeur est venue là, hey, le jour que ma soeur est arrivée,
Je vais vous faire un petit détail de ça. Vous-même, vous allez traîner des riz. Partagez le direct, mes personnes. Mes amis, l'impacteuse, j'ai lutté. J'ai dit, oh, j'ai essayé. C'est pas que je n'ai pas essayé. C'est pour ça que j'en veux pas aux femmes. Quand j'entends que telle personne est en Occident depuis des années, n'a pas venu faire venir son enfant, elle n'a pas fait venir ses frères, je comprends que c'est pas facile. Bah, moi-même, là, j'ai essayé ça. La souffrance qui était derrière ça. J'ai essayé, oh, voici le truc qui a échoué. Ça, oh, immigration a rejeté le dossier de ma soeur. Attends, j'ai dit, hé, comment je vais faire? Quand c'est quand moi, vous me voyez là, quand ça va pas chez moi, c'est le pauvre monsieur qui souffre. Quand il me passe, j'ai dit, l'homme passe à ses problèmes là-bas. Hein? Ils ont rejeté le dossier de ma soeur. Il dit, mais chérie, moi, ça me fait rire. Eh, là, ce monsieur-là. J'ai dit, ils ont rejeté le dossier de ma soeur. Tu viens jouer la comédie devant moi. Il dit, mais chérie, je joue un peu de comédie pour que tu oublies. Est-ce que c'est moi qui suis à l'immigration là-bas? Je ne suis pas là-bas. Bon, ils ont rejeté son dossier. J'ai pleuré avec toi hier. Mais je n'ai pas continué de pleurer. Et hier, quand ils ont envoyé la lettre de rejet là, j'étais soutenue. Et moi, j'ai fait quoi? Et quand c'est quoi, il dit son nom gros. Il dit vraiment. À fait où je n'ai rien à voir dedans. C'est moi qui souffre. Mes amis, je suis allée à l'école quelque part. J'ai une amie qui m'a dit, non, tu peux faire ça. Si l'immigration a rejeté, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Bref, elle m'a donné des conseils. C'est comme ça que, clopin, j'ai grouillé jusqu'à... Et puis, ma soeur est arrivée. Mais tellement j'étais stressée. J'ai dit que j'étais stressée dans le dossier de ma soeur. J'étais au travail. Qu'elle m'a appelée pour me dire que, Monique, mon visa marché. La soupe de... En ce moment, j'étais encore préposée. La soupe de la vieille femme blanche, j'avais dans ma main là. Soupe l'a quittée dans ma main, c'est tombé comme ça, bouffe. La femme m'a dit, ça va? Ouais, j'avais pris le téléphone, j'avais écouteur dans mon oreille, le Bluetooth là. Tellement j'ai dit, c'est vrai. Elle dit, Monique, c'est vrai. J'ai dit, hé, hey, Dieu merci. Quand elle devait venir, j'étais malade. Donc, je ne peux pas aller l'acheter à l'aéroport. J'ai dit à mon mari, va acheter, faut acheter un bouquet de fleurs pour ma soeur. Hein. Il faut que tu accueilles ma soeur un bouquet de fleurs. Tout et tout. Il arrive là-bas. Ma soeur doit sortir du bureau de l'immigration. Ça rétarde, ça rétarde. Je l'appelle. J'ai dit, papa, aïe, c'est comment? Est-ce que tu as ma soeur arrivée? Hein? C'est à cause du vendredi, mes impactés partagés. Vous allez rire aujourd'hui. J'ai trop d'histoires à vous raconter. J'ai dit, est-ce que Coco est arrivée? Il dit, chérie, elle n'est pas encore arrivée. Faut te calmer. Comme tu es malade là, repose-toi. Si elle est arrivée, je vais, comment on appelle ça? Je vais t'appeler. Maintenant, lui, il s'ennuyait un peu, puisque ça durait, il ne rentrait pas. Je dis, oh, peut-être qu'ils ont bloqué ma soeur là-bas, oh, nia, béi, comment je vais faire? Ah, moi, nia, je vais faire comment? Ma soeur qui va venir ici au moins là, hein, Wendy est seule pour le moment. Ma soeur qui va venir, et puis ma fille va dire, oh, j'ai ma tante ici. Eh, l'immigration, eh, Dieu, est-ce qu'ils n'ont pas bloqué ma soeur là-bas? Mon mari m'a appelé. Quand mon mari m'a appelé pour moi, ma soeur arrivait, puis m'a appelé. Lui, il s'ennuyait un peu, puisqu'il y a longtemps, il attend, il ne venait pas, il voulait poser un peu avec moi. J'ai dit, papa, ma soeur est arrivée, Coco est arrivée. Il dit, non, elle n'est pas. J'ai dit, mais elle n'est pas arrivée, tu m'appelles pourquoi? Hein? Il faut attendre. Quand elle va arriver d'abord, tu vas m'appeler. Il dit, ah chérie, je voulais te dire une petite question. J'ai dit, non, papa, je suis trop stressée. Attends un peu, quand ma soeur va arriver là, puis tu vas m'appeler. La souffrance morale. Je connais cette souffrance-là. Mes impactés. Ce qu'elles sont en train de dire, vous savez, toi qui es en train de lutter aujourd'hui pour faire rentrer un parent en Occident, si, ça dit que tu sais de quoi je parle. Il y a des jours où tu manges ton pain dans ton ventre. Tellement c'est pas facile. Dieu merci, cette soeur est arrivée. On s'est compris. Donc, quand elle m'a envoyé son message, j'ai pensé à la période où j'étais dans la souffrance. On connaît un frère aussi là. On l'a envoyé, quand il l'a envoyé là, il est tombé sur une femme Whitey. Lui, il dit que c'est la femme Whitey. J'ai dit non. Parce que cette femme là, moi je l'ai vue. Quand on l'enlevait au village là, hein, quand on l'enlevait Mangro, Mangro Salé, quand on l'enlevait au village, on lui avait dit que, ah, si tu viens, on va aider celle qui est derrière là. Mon oncle, tu sais que c'est de toi, je parle, hein, je dis pas ton nom, hein, mais oncle, tu sais que tu nous as baptisés, ben red, comme on dit au Québec. On a envoyé l'oncle, mon cher, l'oncle est venu dans ses quêtes, tout et tout. Attends, un grand oncle aussi lui a donné l'occasion. Bon, il a eu la Whitey. L'oncle a eu la Whitey là, c'est fini. Il a fermé. Aïe!
on met ici, il manque un nom, c'est la femme Whitey là qui fait. Tant, 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 j'ai dit, pour faire venir ton parent là, il y a affaire des femmes Whitey. Il n'y a pas affaire des femmes Whitey. Elle ne peut pas t'empêcher. Tu travailles. Elle là, les femmes blanches, pour elle, il faut leur dire clairement. Vraiment, ce n'est pas évident. Tant, 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 d'être seul ici. Tu sais qu'en Afrique, on envoie beaucoup d'argent là-bas, tout et tout. Quand il va être ici, au moins, il va m'aider. Elle, quand tu expliques aussi clairement, elle va comprendre. Donc, les gens qui sont ici, qui disent que non, comme il a marié une Whitey, c'est à quoi ça, il ne peut pas venir. C'est des histoires, c'est de la bullshit, man. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, ce côté-là, on doit revoir ça. Comment vous vous sentez quand vous êtes seul? Seul, seul, et puis chaque fois l'argent s'en va. Chaque fois l'argent s'en va. Moi, j'ai expérimenté ça. Oh. Quand ma soeur est venue, la période où ma soeur est venue, là, c'est là ma maladie, même ça a chauffé, hein, mes nombreuses opérations. Mais ma soeur me virait les 200 dollars chaque deux semaines. Elle me virait l'argent. Elle me disait, Monique, prends. Elle donne. Soubi, je te donne un de carburant. Ben, ici, quand ta femme ne travaille pas, ou bien quand monsieur ne travaille pas, quand c'est une seule personne qui travaille, c'est Dieu, hein. Ma soeur m'a soutenue. Donc, j'ai vu l'avantage. Comment faire venir une soeur? Mais quand on fait venir la soeur aussi, il faut que tu penses à ce que tu as laissé là-bas. Tu n'es pas venu de toi-même. C'est ta soeur qui a fait comme ça. Et puis, elle t'a fait venir. Donc, l'affaire de marier blanche et puis fermer là. Ça, c'est faux discours. Vous comprenez? Quand on est nombreux là, ça dit que dans la famille, et puis on travaille là. Mais ça aide à alléger au moins de part et d'autre. Ça, c'est clair. On fait même l'expérience là-bas. Vous comprenez? On arrive, ça dit, expérimentons ça. Moi, j'ai toujours dit que mieux vaut, ça dit que 10 petits fonctionnaires dans une famille, qu'un seul boss qui a la primature, et puis on chante son nom, et puis la famille est dans la misère. Je préfère, chacun, il y a trois instituteurs, il y a policiers, il y a professeurs, Il y a secrétaire dans chaque famille, il y a réunion de famille, chacun, on voit que c'est une famille où tout le monde travaille un peu. Vous comprenez, non? Que le seul tonton qui travaille au ministère des mines, et puis on prend son nom pour chanter dans la famille, alors que le reste de la famille est dans la misère. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Vous comprenez? Hommage à la famille Dogo. Merci, Emilienne Dogo. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas t'envoyer et puis tu as fermé. Quand on t'envoie là, c'est mes expériences que j'explique souvent. Quand on t'envoie là, il faut penser, toi, ma soeur, je ne t'ai pas envoyé pour que tu sois ma camarade. Ma soeur n'est pas ma camarade. C'est le sang de mon sang. Il y a quelque chose qui nous lie. Tu comprends? Ces camarades-là, tu as parlé, j'ai une amie ici là. Elle a dit à l'époque, quand elle faisait les papiers pour sa soeur, on lui a dit, tu as fait venir ta soeur et puis elle va monter sur ta tête, tout et tout. Mais même si elle fait venir ma soeur, qu'elle monte sur ma tête, il n'y a pas de problème. J'ai dit que moi, ma soeur, je t'ai envoyé ici, je veux que tu me dépasses. C'est ce que moi, j'ai dit. Moi, j'étais préposée au... Moi, je veux que tu sois une infirmière. Je veux que tu ailles à l'école. Pour que tu sois infirmière, pour que... J'ai fait mon atalakou spécial où je passe pour dire, ah, ma soeur est infirmière au Canada, ma soeur est infirmière aux États-Unis, ma soeur est infirmière en France. Je n'ai pas venu faire venir ma soeur. Et puis, moi, ça dit que ma soeur est mon ennemi. Ou bien, je veux que ma soeur soit en bas de moi. Donc, pourquoi elle t'a fait venir? Hein? Je t'ai fait venir pourquoi? Pour que tu sois en bas de moi. Je t'ai fait venir pour que tu me dépasses. Où je ne suis pas arrivée? Parce que j'étais dans les usines. J'étais dans les diocies. J'étais dans les laver assiettes. Et puis, je t'ai fait venir. Donc, toi, il faut te dépasser là. C'est comme ça la logique veut que les choses soient, non? Donc, c'est clair. Je vais vous donner un exemple. Partagez le direct. Partagez. Je vous ai dit, c'est causerie du soir. Il y a beaucoup à dire. Deux sœurs. Ici au Canada, précisément en Alberta, la petite soeur était au pays, elle avait quatre enfants. Dans les wo là-bas, ça ne va pas. Elle envoie l'argent, la grande soeur est venue au Canada, et son mari, ils ont fait immigration, ils sont rentrés au Canada. Elle envoie l'argent là-bas, elle envoie l'argent. Maman, toujours l'argent s'en va là-bas. Un matin, elle a fait asseoir son mari, elle a dit, ah, vraiment ma petite soeur qui est là-bas là. Est-ce qu'on ne peut pas la faire venir? Ben vraiment, je vois la souffrance. Je vois la souffrance qui est, comment on appelle? Attends, je vais mettre ça sur. J'aime pas quand je fais le direct et puis. Ok, c'est ça. Comment on appelle ça? On la fait venir. Son mari était d'accord, tout et tout. Ils ont fait venir la petite soeur.
Mes amis, c'est une histoire authentique que je suis en train de vous raconter. Ce n'est pas des menteries. L'impacteuse n'est pas une menteuse. C'est du vrai. Quand elle a fait venir la petite soeur, je vous ai dit, elle avait 4 enfants là-bas. Hein? Elle a fait venir. Dans le mariage au village Mangro, c'est là-bas qu'elle était mariée. Elle a soulevé sa soeur dans les wow, dans ces grouillances-là. Elle a fait rentrer sa soeur au Canada. Vous savez, comme je dis, chacun a son étoile. Elle a fait rentrer cette soeur qui n'était pas, qui avait un niveau, aller à l'école, mais c'était pas bien. Mais quand elle a fait rentrer, elle a aidé les rentrer dans un circuit de alphabétisation, tout et tout. Bref, elle a vu que, elle a fait rentrer sa soeur. Elle était surprise de comment sa soeur a commencé à évoluer, tout et tout. Il y a une femme blanche vraiment qui l'a aimée, tout et tout, qui l'a aidée. Tu peux rentrer comme ça. Bref, elle est rentrée dans fait d'éducatrice. Elle est devenue une éducatrice en Alberta. Éducatrice en Alberta, là. Appelez ça nounou comme vous voulez. Désolé, là, c'est le Canada. C'est la zone anglophone. Ça paye très cher. Maintenant, ça commençait vraiment à mousser pour elle. Ça commençait à mousser. Tout et tout. Après, elle a dit, elle avait payé sa voiture. Elle a dit à sa soeur, je vais payer une voiture. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la petite soeur qui demande à la grande soeur, je vais payer une voiture. Qu'est-ce que tu en penses? La grande soeur lui a dit, non, comme tu es un nouveau chauffeur, faut payer une ancienne voiture. Désolé là, moi, pour le conseil que je vous donne, tu es un nouveau chauffeur, paye. Si tu as un bon crédit, que c'est pas problème de crédit, paye une petite nouvelle voiture. Tout ça, c'est les expériences. Paye une petite nouvelle voiture que une grosse voiture ancienne. Paye une grosse voiture ancienne, ça vient avec beaucoup de problèmes. Voilà. Si ton crédit est bon, tu t'en chez le concessionnaire. Il n'y a pas de problème. Quand une voiture est neuve là, tu as 5 ans et ça, c'est changement d'huile seulement. Donc, sa soeur lui a dit non, paye une nouvelle voiture, tout et tout. Bon, bref, après ça, elle s'est renseignée avec quelqu'un. La personne lui a dit non, autant prendre une petite voiture, mais neuve. Elle a payé une nouvelle voiture, elle est venue montrer à sa soeur. Sa soeur a dit, mais toi, tu as un nouveau permis, ton permis est nouveau, tu t'en payes ancienne voiture. Elle a dit non, j'ai demandé aux gens les conseils, on m'a dit aussi que autant prendre une nouvelle en même temps. Le visage de la grande soeur est devenu façon. Patel le dirait, je ne vois pas, je vous vois pas. Parce que vous êtes là, si vous êtes là, lancez-moi les cœurs. Est-ce que vous partez, mais puis il parle. Causerie du vendredi, il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous mettre sur pause d'abord. Et puis... Oui, c'est vendredi, on va souper tard. On va souper au moins à 18h30. Je vais voir où vous êtes rendu dans vos patins. Ah, vous êtes là, vous mettez. Aïe, Patay le direct. Il y a quel problème? Patay le direct. Il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup. J'ai fini le petit vin là aujourd'hui. C'est moitié, hein? C'est moitié de vin. Vous savez que. Je bois au moins 2 fois par an. Merci, Emilien Dongo, ma personne. Partagez tout ce qu'il y a dedans, c'est les bonnes informations. L'affaire de la soeur aujourd'hui, que je vous raconte, c'est la soeur en Alberta, c'est pas une petite histoire. Donc, je veux que vous partagez le direct. Marie Calémon, merci. Partagez pas, c'est des histoires vraies. C'est pas des nyamselets, des oh oh. Je dis, on est quitté dans les oh, on est dans les vraies choses. Tu vois, fait que. Maintenant, là, Africain, tu as commencé à prendre conscience. Merci beaucoup. Je veux que vous partagez le direct. Mes amis, la soeur, elle a dit que quand elle est venue montrer cette petite nouvelle voiture, au lieu de la vieille voiture, sa soeur a dit non, comme tu ne sais pas bien conduire, prends une ancienne voiture. Mais une ancienne voiture, il y a toutes les réparations. Elle a dit non, il faut payer un vieux blanc qui était dans une zone éloignée, vieux blanc, là, qu'on a vu. Il y a une émission ici, là, les blancs aussi, il y a les mamailleurs parmi eux. Donc, arrêtez-moi ça tout de suite. La soeur a vu son visage, la grande était un peu bizarre. Ok, d'accord. Et comme elle était venue, elle avait fait 4 ans ou 5 ans déjà, elle a dit à sa grande soeur, on va partir cet été-là au pays. Je vais prendre même mon village à Daloa. On va partir à Daloa. Avec tous les enfants, grande soeur, tu as tellement souffert pour m'envoyer ici toutes ces années-là. La souffrance de ça.
Grâce est vraiment yoko. Mais la grâce était réticente. Parce que la grâce en ce moment, elle a un peu des problèmes avec son mari, tout et tout, tout ça. Elle a dit, ah, tu sais que, a fait un billet d'avion, tout ça, avec tous les enfants. Parce que la grâce aussi a ses enfants. Et quand elle est rentrée, que ça a commencé à aller pour elle, elle a fait rentrer ses quatre enfants. Elle a mis ses enfants, elle a fait rentrer les quatre enfants. Donc la petite soeur maintenant lui dit, 5 ans ou 6 ans après qu'elle est arrivée, on va partir tous au pays. Elle a dit, ah, moi si on doit partir avec mes 3 enfants, toi tes 4 enfants, ça fait 7 plus nous 2. Ah, ça là, vraiment, ça va être comme 8, 9 là-bas. Elle a dit, grand chef, faut pas t'inquiéter. C'est pas du Yamselé. Mes amis, elles ont payé les billets d'avion, tout, elles sont parties. Mais quand elles arrivaient déjà là, la grande soeur était beaucoup inquiète pour dire, hé, les enfants là, d'autres sont nés au Canada, d'autres sont venus bébés, mais ils sont pas habitués. Comment on va faire? On n'a pas la maison. Elle dit, grande soeur, faut pas t'inquiéter. Ce qui est sûr, on va se débrouiller. Entre temps, quand ça allait chez la petite soeur, tout et tout, elle avait construit une maison à Daloa là-bas. Mes amis, c'est une histoire authentique que je vous raconte. Elle a construit une maison à Daloa là-bas où elles allaient passer les vacances tout et tout avec les enfants. Et quand elles sont arrivées à Abidjan, bon, elle a pris une résidence. La personne a pris une résidence. Elle dit que quand ils sont arrivés, on les conduisait à l'hôtel. Elle a senti sa soeur un peu timorée. Hé, Amouni, hein, moi, ma soeur, tu as, ça dit que tu me prends, tu me mets dans résidence. Maman, je te bénis. Elle dit, vous voyez que sa soeur était... Dans voiture, ça s'est été en bizarre. Au lieu d'être heureuse pour dire, ah, parce que tu es en forme, ah, moi j'aime ça, hein, tout et tout. Elle sentait sa soeur d'une manière, elle n'a rien dit, elle dit, bon, peut-être que c'est l'émotion. Elle ne voit pas encore. Ils ont dormi dans une résidence. Vraiment, 3 jours après, ils sont partis à Daloa. Quand ils arrivent à Daloa, voici leur maman qui les accueille. Oh, il faut imaginer comment une maman va se sentir. Elle voit ses 2 filles qui sont arrivées du Canada. Hé, hey, mémé Magui va voir ses 2 filles arriver au Abidjan. Arriver où elle est dans son coin là-bas. Arriver là-bas. Maman, elle va mettre paille même. C'est comme ça la vieille femme l'a fait. Elle a mis le paille. Elle voit maintenant les petits enfants. Maman, elle est écouteur. Elle est Wendy là. Comme ça, la mémé est heureuse, mais elle voit sa grande fille d'une manière devant une grande villa où la mère, c'est la petite soeur qui voulait faire cette surprise-là à sa grande soeur. Elle croyait avoir bien fait. Mes amis, partagez le direct. C'est des histoires vraies que je vous raconte. Déjà, ils sont en train d'arriver là-bas, là. La petite soeur a pris les taxis, tout et tout, pour venir les accueillir. Par exemple, on dit la voiture qui devait les accueillir a eu un problème. Elle dit, c'est pas grand, grand soeur. Les taxis vont nous amener. On est trop fatigués. Ils arrivent là pendant que maman est contente. Elle a vu les petits enfants. Grande soeur, son visage est gâté. Elle dit, grande soeur, c'est la surprise que je voulais te faire. J'ai construit la maison ici. Voici la maison. Ça, c'est pour nous. C'est la maison que j'aime. Je dis, l'émotion veut me prendre. C'est la maison que j'ai construite pour tous les efforts. C'est pas pour mon mari. C'est pas pour quoi. C'est pour notre maman. Quand c'est pour notre maman, là, c'est pour nous. Demain, on a tourné quand on vient là. Nos enfants viennent ici. Mes amis, les problèmes ont commencé comme ça. Problème de gros problème de famille, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Vous laissez 5 sur le direct. Partagez-le. Ça veut dire que le sujet que je suis en train de traiter, c'est un sujet vrai. Tu as la chair de poule, Angela Koufo, c'est la plus vérité qui a été dit. Partagez le direct. Grande soeur est fâchée. Elle a commencé à taper une crise devant sa maman. Sa maman a dit, wow. Chez nous, a dit, wow. Mani, c'est... Salut, la mère en revenant. Donc, c'est moi, je suis ta sorcière. C'est pour ça que tu n'as pas voulu me dire tout ce temps. Elle dit, non, grâce à moi, je voulais faire la surprise. Mais son la même, là, j'ai fait la sœur au nom de la maman. Donc, ça dit que demain, la maman meurt là. C'est la maison où on va tourner. On a nos frères ici. Ils vont y venir. C'est pour ça. Grâce à c'était la surprise. C'est pas passé par toutes, là. C'est pas passé. La grande soeur était, elle, non, c'est moi aussi ta sorcière. Hein? Je t'ai dit, affaire qui est devenue tollée.
C'est une grosse affaire, je vous parle. Les gens qui habitent en Alberta, ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Parce que cette affaire a pris le Canada. Hein? La petite se dit, mes grands soeurs ici, là, Nyaka. Elle a mis ici Kika. Elle a mis ici Woho. Hey! La maman était là. La maman est devenue comme... Ces jours qui étaient devenus ces jours agréables, là, ces jours est devenu amer. La maman met ici. Mais où est l'orgueil dans ça? J'ai dit que ma petite soeur n'a qu'à me dépasser. C'est ce que moi j'ai dit. Donc où est l'orgueil dans ça? Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Je t'ai envoyé, je veux que tu me dépasses. Si tu dis que tu t'en vas à l'université, il faut faire coup, ça dit les trucs d'ingénieur. C'est ce que je veux. Donc où est l'orgueil de ça? Mais je n'ai pas pu atteindre là parce que dans le temps, j'étais toute seule aux prises avec les charges. Allez demander à ceux qui sont les seuls au cadre de leur famille. Allez leur demander la souffrance de ça. À l'époque, j'étais jeune. Ma soeur et moi, on a dit quand on a perdu notre père, c'est notre frère aîné qui nous prenait en charge. Mais j'ai grandi et puis j'ai compris sa souffrance. C'est pour ça que quand il m'appelle et puis il me dit, Monia, il est diabétique avec l'hypertension. Quand il me dit, Monia, comment ces jours-ci j'ai été malade, je ne discute même pas. Et MTN rapide en même temps. Je peux, parce que j'ai grandi et puis j'ai compris ce frère-là. Mais le père est décédé, c'est lui qui nous a pris en charge. Un jour, dans nos voyages, j'ai dit, grand frère, fait, tu as payé une maison. Mais mon grand frère a mal pris ça. Il dit, ah bon? Ça dit, les pères africains, quand ils font des enfants là, eux, ils ne se disent pas que les enfants qui sont faits, demain, si tu meurs subitement, c'est les aînés qui deviennent les responsables. Et nos aînés étaient les responsables. Donc, mon grand frère n'a pas digéré, il a dit, donc ça veut dire que tout ce que je consens comme sacrifice là, vous ne reconnaissez pas, si tu me dis paye une maison, ça veut dire que, ça veut dire ce que je suis en train de faire là, tu vois même pas. Et nous, on était jeunes, on dit, ah, pourquoi le grand frère aussi, il prend ça mal? Mais j'ai grandi et puis j'ai compris. Vous comprenez? J'ai grandi et puis j'ai compris que à l'époque, oui, mon frère s'est senti mal parce que c'est vrai, on était naïf quand on a dit ça, mais j'ai grandi et j'ai compris que quand tu es seul là, les gens pensent que c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, ça finit pas. Je vous ai dit quand j'étais partie à Bigan, ma soeur m'a envoyé dans la maison de combien? On dit 15 millions. J'ai dit, donc ça veut dire que tout l'argent que j'ai envoyé toutes ces années là, on m'envoie dans tes, elle n'a pas fait ça mal. Elle a vu sa soeur, elle s'est dit que sa soeur est capable de payer une maison de 15 millions à l'époque. Donc j'ai compris que l'argent que j'ai envoyé là, on pense qu'il y a beaucoup derrière encore. Et lui a dit que je ne peux pas payer une maison de 15 millions. Ça fait 7 ans. Je suis partie au Canada. Je suis venue pour voir maman. C'est comme ça. Donc, vous comprenez. Donc, pourquoi? Pourquoi je vais me sentir mal? Parce que même si ma soeur m'a envoyé un château, il allait danser dans le château de ma soeur. Il a dit que, oh, au moins j'ai réussi. Mes amis, quand vous envoyez vos parents en Occident, quand vous avez envoyé vos frères, petits frères, grands frères, et puis ils ont réussi là, c'est vous qui avez réussi. C'est comment ils voient la chose? C'est quoi, il voit la chose? Ça veut dire que je n'ai pas fait un mauvais investissement. Je n'ai pas fait quelque chose. Ça veut dire que je n'ai pas investi dans le néant. Mais tu envoies une soeur, elle n'a pas réussi. Tout est tout bien, frère, il n'a pas réussi. Il tourne en rond. Mais c'est encore toi. Est-ce que si tu vois ton frère dans les problèmes, dans la déchéance, est-ce que tu vas le laisser? Tu ne vas pas le laisser par toutes? Vous comprenez, l'aventure est un mystère dans lequel il ne faudrait jamais être. Vous comprenez? Donc, elle s'est sentie mal jusqu'à ce jour-là n'a pas été agréable. C'est les enfants qui ont apprécié. Oh que oui! Nos enfants, quand on les envoie en vacances, ils apprécient. Les enfants étaient heureux, étaient bien. Dans cette ville de Dalois, là, les enfants étaient bien. On les envoyait dans les petits coins, ils ont adoré. Mais elle a dit, après, personne n'a interposé. Moi, j'ai eu toute l'histoire. Le séjour était amer. On parle ici, c'est les bouddhes, jusqu'à elles sont rentrées au Canada. Jusqu'à, je retourne 3 ans. Les deux sœurs ne se parlaient plus. Vous comprenez? Les deux sœurs, la grande sœur a coupé. Les gens, elles ont permis que les gens rentrent entre eux. Les gens, d'autres ont pris le camp de la grande sœur. Ouais, c'est ça, hein, vous comprenez. Les amis de la grande sœur ont dit non. C'est parce que elle pensait que tu étais une sorcière. C'est pour ça. Tant, voyez-vous. Vous comprenez.
Donc, on ne peut pas. Quand vous envoyez vos soeurs là, faites l'essentiel pour eux. Ça dit pour elles, pardon. Faites l'essentiel pour vos frères et soeurs. Et puis, ça dit, comme je l'ai dit dans une des vidéos un jour, ton frère que tu envoyais ne te doit rien. J'ai dit, elle dit ça. Maman, quand elle dit tu me dois rien là, c'est pas à moi, oh, mais il faut penser à ceux qui sont au pays. Mon pays est envoyé, hein, mais pense à ceux qui sont là-bas. C'est pas moi. Je ne peux pas envoyer ma soeur et puis chaque fois, j'aide dans ton argent, il faut me donner ci, il faut me donner ça. Je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? C'est le message que je suis en train de passer. Et puis quand c'est comme ça là, ça dit que ça rend un peu les relations même de la famille conviviale. Ça dit les relations restent bien. Parce que au moins là, on a préservé quelque chose. Mais on peut venir un parent, tu fermes sur les autres, ou bien, ça dit, c'est l'inverse. Tu la vois gravir des échelons, elle monte, tu souffres de ça. Maman, pourquoi tu souffres, oh? Le sang de ton sang, l'enfant de mon papa, je cherche la route pour venir sur la terre pour que tu me dépasses. Moi, j'ai fait ma part. J'ai eu ce qu'il, ça dit, ce qu'il me faut pour être bien. Donc, pourquoi je me casse encore la tête? Vous envoyez vos frères et soeurs et puis ça dit vous restez dans un esprit de concurrence avec eux. Il n'était pas envoyé pour faire la concurrence. Il était envoyé pour que tu me dépasses. Va plus loin. Pour que demain là, moi j'ai chanté ton nom parmi mes amis. J'ai chanté ton nom. Parce que ce n'est pas facile de faire venir quelqu'un. Si elle t'a déjà fait venir là, ça a dit que je suis déjà une battante. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, j'étais comme, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, wow. Le tonton qui a la présidence, on a un tonton de notre région qui travaille à la présidence, il était le seul, c'était le tonton de la région. Vous-même, vous connaissez les gens de chez nous, non? Ah, là, c'était, j'ai dit que le tonton de la présidence, là, il fait un mois, quand il arrive au village, là, les ordonnances sont alignées. Ordonnance de palu où l'infirmière du village avait donné l'ordonnance là. On attend le tonton là. Payer son nom était lié au président de la République. Donc on l'attend. Il va venir, il va payer l'ordonnance. Comment on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Je dis que mieux vaut 10 petits fonctionnaires dans une famille qu'un grand boss à la primature, qu'un député à la primature dans une famille. À tel point que parfois, on s'est dit non. Depuis il a réussi, il est méchant, il n'aide pas les autres membres de la famille, mais à un moment donné, là, son coup, il est pris au coup comme ça. Il est pris. C'est ça. Mais il faut être dedans pour comprendre. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas t'envoyer. Il était envoyé en Occident. À l'époque, il y a une qui a envoyé sa soeur ici. Elle a quête, elle envoyait par visiteur. Vous savez, toujours vous m'envoyez des messages, les pâtés, je fais venir ma soeur, mon frère comme visiteur. Visiteur, je vous ai déjà expliqué, pour faire venir un parent comme visiteur, c'est pas compliqué. Mais c'est juste que quand tu l'as fait venir, ce qui vient là, la suite, c'est ça qui est le problème. Sinon, comment on fait pour faire venir parent visiteur là? Je vous explique, Elle a fait venir sa soeur comme visiteur. Visiteur là, tu as des bons revenus, tata, on fait l'aide d'invitation, tout et tout, tu l'as fait venir. Maintenant, c'est sur place là. Tu dois te débattre. Ben, visiteur là, ça dit quand tu fais venir la personne là, comme j'explique là, tu fais une demande de visa ordinaire, ça ne coûte pas cher. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un message pour visa visiteur, on lui a pris 3 millions. Je suis tombée des nues. Visa visiteur. Avant le COVID, là, c'était comme 83 000 francs CFA que tu payais. Elle a fait venir cette soeur-là, mais quand tu l'as fait venir là, de vous à moi là, le seul moyen rapide là, c'est un Whitey. Elle a pris un Whitey, elle a trouvé le Whitey à sa soeur, c'est devenu affaire. Finalement là, sa soeur a dit non. Parce que quand elles sont en Afrique là, elles rêvent des Whitey. Elle rêvait d'un Whitey. Quand elle est venue, avant même qu'elle arrive sur place, sa soeur a trouvé le Whitey. Elle est partie, premier rendez-vous, elle le Whitey. Elle dit que le Whitey est froid. Ça, c'est une autre histoire au Canada. Je vous raconte. Je n'ai pas t'aller le dire. Je vous avais dit, il y a beaucoup d'histoires.
Le Whitey est froid, Pata, elle le dirait. Partagez pas. Vous aimez rire, vous aimez tout, mais. Vous êtes là-bas, vous vous tuez pour les Whitey. J'ai souffert et t'ai envoyé ici. J'ai dit que Bangala d'un black là, ça n'envoie pas facilement au Bogui. Ça n'envoie pas facilement au Sebe. Parce que le Bangala du black, il y a la souffrance derrière pour que tu aies le baisse. On va parler encore d'ici. Il y a déjà fait jugement de ça. Maman Lolo, Lolo Nizako, elle me suit, elle est connue, donc je sais que ma vidéo va tomber dans sa main. Hein? D'accord. J'ai dit que partager. Eh, hey, mes impactés, vous êtes terribles, quoi. On est à combien de temps, même? Partagez ça. Partagez, causerie de vendredi soir. Causerie de vendredi soir, c'est qu'elle a remarqué, c'est avant de samedi matin que la vidéo se partage. Elles sont là-bas. J'ai dit que ça prend. Vous me voyez là, là. Je suis chaude de. Mais quand la situation arrive, quand la situation veut me dépasser, il y a fait comme si. J'ai dit, elle a envoyé la soeur. Elle ne comprenait plus la relation. Maman, mais je ne comprends pas. Je l'ai envoyé. Quand elle a tout, elle a dit que le Whitey est froid. Tout et tout, tout et tout. Que. J'ai dit, ma chère, faut te calmer. De... Il faut garder le sang-froid. Je suis allée, j'ai parlé avec la petite soeur. Elle venait d'arriver, nouvelle, tout et tout. J'ai dit, mais aïe, mais toi tu es arrivée où? Ta soeur t'a trouvé le Whitey. J'ai dit que, chez nous en Bété, on dit, Gomrani Ginyonoka. Blanc, il n'y a pas son vilain. C'est ce qu'elle dit. Gomrani Ginyonoka. Blanc, il n'y a pas son vilain. Whitey, il n'y a pas son vilain, il n'y a pas son lait. On le prend, oye, 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 ça dit comme on dit, oye, famille, gregane, il va arranger la famille. Oh, mon Dieu. La go. Il est où, Brine? Sylvain Mas, mon impact est très très fort. Je ne vois pas Link. Même si tu es venu, je te donne un bon si tu dois le prendre. Elle a parlé. Regarde comment il est. Attends, c'était une grande voix à Bigan. Et puis sa soeur l'envoie au Canada. Je l'ai écouté, j'ai dit, bon, Monique, on t'a appelé au secours. J'ai dit, bon, elle a parlé, parlé. J'ai parlé, j'ai dit, bon. Il faut. J'ai dit, ça dit que. La... Je dirais mes personnes. Eh, bon, la nuit, Gignonka, ça c'est parole de bêté. Blanc, il n'y a pas son vilain, oh, ma chérie. Je ne sais pas si Dieu nous a créé pour nous mettre à la queue, mais ce qui est sûr, quand tu as la belle affaire, il y a une partie qui s'arrange pour toi. C'est clair. Moi, je suis à la télé, une fois, je regarde. On a fait problème de vaccin. On dit que non, on ne veut pas vacciner, mais Canada a dit, il n'y a pas de problème. À partir de quand là? Quand tu sors du Canada, que tu rentres, ça veut dire que tu es déjà vacciné. Si tu dois rentrer au Canada, tu es vacciné. Donc, ça veut dire qu'on nous a imposé ça d'une façon claire.
Mes amis, j'ai écouté la petite sœur. J'ai vu le Whitey que la sœur avait trouvé. C'est pas grave. Moi, j'ai regardé le bébé. J'ai essayé de l'apaiser. J'ai dit que... Bah, il regarde la petite sœur bien d'arriver. Bah, quand elle vient d'arriver là, les mèches arrivent là, là. Elle s'est tressée à Babi. Les mèches arrivent. La voix, elle était assise. Elle regarde le Whitey. Elle dit, il n'y a pas mieux que ça. Elle dit, ma chérie, il n'y a pas mieux. Il faut prendre ça. Hein. On veut arranger la famille. On veut arranger la famille. Vous comprenez? C'est quoi, j'essaie de manager. J'ai managé à la petite. J'ai dit non, il faut comprendre. Tu comprends? Non. Eux, ils ne sont pas compliqués. C'est qui est sûr? Ta, ta, ta. Et là, c'est les bisous. Il veut te toucher, toucher. Ah, faut laisser. Tu as fait comment? On a fait ça. Et on est arrivé à une autre étape. L'autre étape là. On a dit le oui. Pas le Canada là. Un visa, tu as dit dans ton passeport là. On appelle ça multiple entrée. Multiple entrée là, ça veut dire que tu as 6 mois sur le territoire. Si tu n'as pas trouvé Chokoya là, tu vas aller faire le tour du poteau ou bien Mangoro Mangianoum. Tu vas retourner au village. Quand elle commence à lui parler de retourner au village, il a dit que où tu es venu, on a tapé les tam-tams. Tu as pris la photo devant le McDonald's. Quand tu as pris photo devant McDonald's là, ça veut dire que tu as bang. À moins que tu sois dans le Maghreb. Sinon, c'est le McDo, c'est ici en Occident. Là, maintenant, la fois à réaliser. J'ai dit, hein, c'est à cause de ça. C'est ça quand on vient là, on sert le cœur. Mais ta soeur même qui t'a fait venir, tu sais où c'est vrai, elle est venue en statut immigration, mais il y a d'autres qui viennent là, elles souffrent. Donc ma chérie, il faut laisser. C'est là maintenant la paix, ses yeux souffrent, tout et tout. Et puis vers la fin, ça a donné quelque chose de bon. Aujourd'hui, elle vit au Canada. Le blanc, il n'était pas trop intéressé. Ouais, elle est là, mais elle a divorcé, elle a trouvé son mari. C'est pas facile. Souvent, il faut aller doucement. Elle comprend pas, elle comprend pas. Il faut être une vieille rombière, une vieille routière, comme on dit, sur le terrain. Pour expliquer tout ça à la petite soeur, mais elle est sans froid. Parce que si tu veux faire un sang chaud, là, ça, c'est gâté. Et puis, si c'est gâté, là, toi, tu as investi, tu as fait venir la petite soeur, on a fait tes honneurs dans la famille. Bon, si la petite soeur aussi retourne, c'est la honte pour toi. Donc, tout ça, là, tu arranges en bas, là-bas. Comme l'année dit, il n'y a pas de vin blanc. Mais s'il est bossu. S'il est le dernier dans la rue, vous comprenez? Et puis il fait froid, tout ça là, vous comprenez? Hein? Donc, c'est pas facile. C'est pas facile tout ça. Je mets dans l'humour les vendredis pour qu'on en rit. Mais quand ta soeur t'a fait venir, il faut aider la famille. Il faut aider. Mais si tu n'as pas, si tu n'as pas aidé là, elle est toujours. Elle a le sens de la famille. Elle est comme moi. La famille. C'est ça. Mais tu ne peux pas la laisser toute seule. Quand je t'ai parlé, tu m'as dit vraiment l'impact. Tu es ma star. Je t'ai parlé, tu m'as bien écouté. Tu as dit l'impact, tu es vraiment ma star. Il n'y a pas de problème. Je ne me rendais même pas compte que ma soeur souffrait. Sinon, elle ne m'a rien fait. Ma grande soeur ne m'a rien fait. Là, ils sont en train de rire là-bas. Ils sont versés. Vous comprenez? Mon cher, même si Whitey n'a pas son manioc. Whitey, là, il n'a pas son manioc. Parce que vers la fin, là, il va te donner le bess, il va te donner le kaolo, il va te donner le sebe, il va te donner le bongo. Donc, est-ce qu'il y a en bas des maniocs de Whitey? Il n'y a pas en bas des maniocs de Whitey. Hein? Le bangala du black, là, le bangala du frère africain, ça t'a amené au 7e ciel. Ça t'a amené chez Lago, là-bas, Dieu le Père Tout-Puissant. Mais ça n'a pas réglé ton problème dans l'immédiat. Tenez-vous bien ce Whitey, là. Il a marié la soeur là en moins de 3 mois. Il a marié en moins de 3 mois. Il y a quel Africain qui va te croiser ici? Tu n'as pas de papier, il va te marier. Il y a qui? Et tenez-vous bien, il avait marié parce qu'il a dit que lui n'est pas fait pour le marier, mais il a marié parce que quand il était venu chez sa soeur, j'ai dit que sa soeur tellement elle voulait tellement que le Whitey regarde sa soeur avant que sa soeur arrive. 2 semaines avant que sa soeur arrive, là, elle a été inscrite sur le site. Elle est arrivée. Ils ont pris les premières photos, tout et tout. Ils ont envoyé. Le Whitey était intéressé. Au bout d'1 mois et demi, là, le Whitey était déjà positionné.
Mais c'est la fille qui ne comprenait pas pourquoi c'est ce type de Whitey là. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est ceux qui ont déjà, ils ont fait des études, tout et tout, on les envoie. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué. Ceux qui viennent là-bas, là, il y a prime de soleil, il y a prime de bruit de baka, il y a prime de poussière, il y a tout, tout, tout. C'est ça, vous les voyez choco là-bas. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, là, ils vous mettent dans le confort. Quand vous venez, eux ici, là, ça devient de la désillusion pour vous. Parfois, c'est ça qui vous fatigue. Vous comprenez? Donc, Whitey, il n'y a pas son en bas de manioc. C'est ce qu'elle dit. Bah, lui, il te conduit à une situation un peu rapide, là où vers la fin, là, ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. Tu peux tomber sur le mauvais, le pervers, tout et tout. Tu peux dire stop, ça c'est correct. Mais s'il n'est pas pervers, tout et tout, il est correct, là. Finalement, elle a croisé, elle-même, elle ne comprenait plus son comportement. Aïe, mais lui, il ne veut pas que elle prépare, lui, sa nourriture. Mais lui, il n'avait pas de problème pour qu'elle prépare, elle, sa propre nourriture africaine. Lui, il n'a pas de problème. Mais c'est juste que lui, il dit non, il est à l'aise pour préparer lui-même sa bouffe. Pas, il a vécu tout ça. Il a dit, ma chérie, où est ton problème? Finalement, c'est moi, elle a pris comme la confidente. Ah, la grande soeur, tu es trop cool, même là. Moi, en tout cas, je suis à l'aise quand elle n'était pas blogueuse en ce moment. Hein. Je lui donnais les conseils. Il dit, ma chérie, faut faire blé-blé. Passe au vieux Zoku où tu as envoyé l'argent. La souffrance de ça. On nous a accouché à la souffrance. Donc, ma chérie, faut attraper ton cœur. Comme on dit, nyonou drike, faut serrer le cœur. Et puis, tu vas aller de l'avant. Oh, elle est tranquille. C'est ma personne, Oyodi. C'est ma personne. Madame, j'ai quand ma copine me dit, mais mon, toi, tu as le sang chaud, mais comment tu fais? Elle dit, j'ai le sang chaud. Mais quand c'est les problèmes des autres, là, je comprends. Moi, je suis la maman des adolescents. Je suis, ça dit, tu vois, les gens ont leurs problèmes. Mais souvent, quand je fais de l'écoute, hein, qu'ils n'en reviennent pas. C'est le don que Dieu m'a donné. C'est ça. Et quand finalement, elle a dit, actuellement, là, comme elle a eu son comment on appelle ça, le divorce, tout et tout, ça a été fait. Tenez-vous bien. Le Whitey a dit qu'il s'était lié. Il a eu de la sympathie pour elle. Il a eu vraiment l'affection pour elle. Parce que lui, il n'avait pas vécu dans ce cocon familial. Mais le soir où, il est venu à la maison, sa soeur a fait son bel là. Comme on fait au pays quand ton beau arrive là. Hein? Vous comprenez, non? Quand un blanc arrive là, on fait comme ça. Tu découvres, c'est de la tchéquée, c'est de la loco, c'est de terre, c'est de terre. Elle te dit tout. Pourquoi? Pour que le Whitey s'accroche à ça. Attends, le Whitey, lui, quand il a vu que lui, on lui donnait tous les honneurs, il dit, lui, on lui a jamais donné des honneurs dans sa famille. Partout, il a vécu au Québec ici, il n'y a pas eu honneur pour lui, il n'y a pas eu un petit chocolat d'honneur. Donc, la soeur lui a donné l'honneur. Le Whitey, lui, s'est senti que, mon Dieu, ils m'ont mis à un certain, ça dit, au sommet. C'est la soeur, maintenant, qui voulait y opérer la situation. Donc, nous, on est parti. On a mis les plans aussi en jeu. Moi, je suis parti lui parler. Je dis, c'est comme ça. Toutes celles que tu vois qui font leur pharo, elles prennent le passeport, elles montrent ici, tata, ma chérie, on est passé par là. Maintenant, nous qui sommes venus avec nos maris, non. Mais tu es venu en solo en Occident. Ma chérie, il y a quelqu'un qui t'a déjà boubandé. Toi ou moi, tu es venu, ta soeur a déjà préparé le terrain. Donc, faut apprécier. Elle a parlé, elle a dit, ah, ok, j'ai compris. On a fait le mariage, nous tous, on était présents là-bas. Pas un mariage de maintenant, là. Canada aussi a vu dedans. Donc, il faut des présences. Tout et tout, mon cher. Des gens, même quand on ne connaissait pas, on est parti, on les appelait. Ah, venez, vous allez apparaître dans les photos là-bas. Mon Canada aussi est exigeant. On est parti. C'était un mariage d'amour, ça a bien été, tout et tout. Après, actuellement, il a dit que oh, c'est comme ça. Lui veut vivre seul. C'est correct, tu veux vivre seul. On ne peut pas te forcer à rester à une femme. Et puis, ça a bien été. C'est ça qui est la vérité. Emilienne, donc, elle dit quoi? Pourquoi? Elle a dit quoi? Pourquoi tout ça? Vous pouvez tout tuer le soir là. C'est pas possible. Donc c'est ça. Faut penser. Penser. On te fait venir. Je t'ai pas dit que je te fais venir pour rentrer dans ta vie. Moi-même, je ne conseille pas ça aux gens. J'ai tout dit. Vous faites venir vos soeurs. Si tu vois que ça mouche ta soeur, tu as un peu de problème. Tu lui demandes son info remboursé. Il a dit ça dans une vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a attaqué. Ma propre sœur y a envoyé. Il faut qu'elle rembourse son info. Il faut rembourser pour le respect. Maintenant, si elle sait que tu es dans les difficultés, tout et tout, elle voit que tu es en position de faiblesse. Et puis, elle prend ça correct. Il ne faut pas prendre ça en rancune. Tout ça qu'elle donne là, comme conseil, on trouve l'autre côté, le mauvais côté. Moi, pas venir faire venir ma sœur et puis elle rembourser son info. Mais je t'ai prêté,
Tu n'as, ça dit que tu ne rembourses pas là. Un matin, tu viens, malgré que tu es l'enfant de ma mère, tu viens devant moi et dis, ah, je n'ai plus. On dit que Manini Joka, là, ne fait pas bruit. Alors que si tu rembourses toujours là, à tout moment, il n'y a pas de problème. À tout moment, quand vous donnez un conseil de vie, vous vous voyez toujours l'autre côté. Tu as fait venir ta soeur, elle a dit que je vais aller prendre une maison plus loin. Tu dis, c'est correct. C'est même bien pour vous. Parce que souvent, la proximité crée des frictions. Quand vous êtes trop proche, là, ça peut créer des problèmes. Tu dis, ok, ça va t'aider demain. Hein? Ça dit que tu peux faire du voyagement. Les Québec, au Québec, voyager là. Eux, ils appellent ça voyagement. Tu peux faire du voyagement. Tu t'en vas rendre visite à ta soeur. Ça rend un peu. Ça dit que les relations, très bien. C'est tout. C'est qu'on vous donne comme conseil. Donc, quand vous faites venir les soeurs, ne rentrez pas trop dans les... Faites doucement, doucement. Aidez-les à pouvoir se... Mais toi aussi, on t'a aidé. Comme j'avais dit au début de la vidéo, tu n'as pas payé ton transport toi-même pour venir au Canada. C'est ta soeur qui a souffert comme ça. J'ai une de mes tantes là, à l'époque là. Ses soeurs disaient, pourquoi vous faites nous? Il y a des personnes qui, elles arrivent là, elles oublient les autres. Elles ferment sur les autres. Grouillez aussi comme moi. Ma tante disait, grouillez comme moi j'ai fait, puis vous êtes venu là. Comme moi j'ai fait, puis je suis venu, pardon. Grouillez, vous allez venir aussi. Il y a d'autres soeurs qui font ça. Mais c'est pas, ça n'a pas été le cas. Donc si elle était fait venir là, il n'a pas dit qu'il faut même t'occuper de moi. Oh. Mais il faut regarder la famille. Aide-moi pour qu'on puisse faire venir le suivant. C'est ça mon message ce soir. Voilà. Ah, c'est normal de rembourser. On te donne, tu ne rembourses pas. Je dis que l'enfant que ta mère a couché, elle te donne, tu ne rembourses pas. Tu vas voir un jour, elle va te dire non, je n'ai pas. Elle va te dire ça respectueusement, alors qu'il y en a beaucoup là-bas. Toi-même, tu sais qu'elle en a. Et puis, elle te dit, je n'ai pas. Tu vas te sentir frustré. Alors que si tu rembourses, si ta soeur te donne, c'est correct. Faites venir vos... Quand vous faites venir les soeurs, aidez-les. Quand elles ont envie de s'insérer là, sortez de leur vie. Évitez même de rentrer dans les périmètres même de vos frères et soeurs. Vous allez voir que ça va. Mais non, vous ne voulez pas, vous voulez toujours gérer. Tu m'as fait venir, mais tu ne veux pas gérer ma vie. Parce qu'elle était déjà adulte avant de venir. C'est la partie aussi souvent qui dérange là. C'est ça. En tout cas, mes impactés, il est quelle heure là? Maintenant, on a décidé de souper à quelle heure aujourd'hui? Il est 17h57. On a décidé de souper à 18h30. Donc, je vous aime. Oh, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, mes impactés. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Partager. Oh, vraiment, merci. C'est gentil. Ouais, demain, on a un sujet. Demain soir. Demain soir, il y a un sujet qui est là. On va parler de tout. Oh, on était près de 700 sur le direct. J'ai ri le soir là. Non, vous êtes fort. Change. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci à vous aussi. Bonne fête à vous. Bon, vous avez été 3 ou 4 personnes à me demander la perruque. Je vais vous mettre le lien. Je vais mettre la photo et puis le lien de la perruque. Bon, on dit que ça fait 1 heure déjà. 1 heure, c'est assez. Merci. Bon. Demain, ça va se partager. Oh, merci. En tout cas, si c'est, prenez soin de vous. Angela Koufou, j'espère que dans en été, là, on va se voir. Entre nous. Ah oui, je suis en train de parler de ta famille. Ah, ma chère, tu es ma personne, mais je n'ai jamais parlé à toi, Anil Bossoumi, en quoi pour dire que c'est ton histoire. Donc, c'est la réalité qui est là. C'est la pure réalité qui est là. On touche les sujets qui sont là. Vous avez... Ah, affaire de Whitey froid là. Ah, ça c'était le problème. Hein. On a lutté aujourd'hui. Pourtant, quand elles sont là-bas, elles. Tu vois comment le. Ça dit que dans la vie, quand. Ça dit, dans la vie, ce que tu as, tu n'as pas. Elles sont là-bas. Celles qui veulent les Whitey, elles sont comme ça. Mais Whitey est froid là. Comment je vais expliquer ça? C'est le climat, c'est l'anatomie, moi je ne sais pas. Mais ce qu'elles suivent, c'est des êtres humains comme vous et nous. Et puis, j'ai dit que le Bangala du Whitey t'amène vers un succès. Le Bangala de l'Africain, ça va t'amener, hein. Mais la souffrance de ça. Il y a la souffrance en bas. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous. Ciao, ciao.